la victoire que... C'est bon, je pense que la victoire que je chéris plus, c'est ma victoire à 12 ans. J'avais joué 85-84 au BIC. Puis, ouais. Puis au lieu de prendre un beau gilet Titleist, qui valait très cher comme cadeau, j'avais pris une sleeve de balle. Puis ma mère était bien fâchée. La première victoire, ça a été les Pee-wee Moustiques à 12 ans ou 13 ans. C'est la première fois que j'avais vraiment bien joué un 18 au complet. Et c'est celle-là que je suis le plus. La première victoire, ça a été au Circuit Golf Québec. À l'âge de 15 ans, c'est le championnat match play à Valleyfield. La première victoire, c'était au championnat Pee-wee Moustiques. J'avais gagné à Rosemont. Ma victoire, championnat junior à mon club de golf. J'avais deux grands joueurs que je jouais contre. Il était quand même fort, puis je sais pas comment, mais je m'y suis sorti de là en gagnant par un coup en playoff. Mon premier CRJ que j'ai gagné, c'était à Hillsdale. Ouais. Probablement l'année passée à l'Optimiste. Parce que c'est un terrain que j'ai bien joué dans les deux dernières années, mais c'est pas un terrain que je me sens particulièrement confortable dessus, comme probablement la plupart des joueurs. Là, mais non, fait qu'à chaque fois que j'ai une bonne ronde à l'Optimiste, c'est sûr que c'est. Que c'est le fun, puis ça te donne la confiance, parce que c'est pas un terrain qui est très facile, qui est très confortable. Ma première victoire, c'est le. Oh, ça fait longtemps, ça devait être. Un circuit Garaga, il y a très longtemps, tout ça. Puis la victoire que je chéris plus, c'est elle aussi, puis au dernier moment. Félicitations pour le provincial, en 2014 à l'Épiphanie. La victoire que je chéris plus, c'est quand j'ai gagné notre home tournament à Norman en Oklahoma. Pour être honnête, j'ai pas gagné beaucoup de tournois. J'ai fini souvent dans les top 2-3, mais cette semaine, j'ai gagné un tournoi amateur.